the Seigneur vous bénisse. Puis alors, merci. Nous remercions Dieu de nous donner de la grâce de nous retrouver ici. We thank God for the grace that He has given to us to gather here. Pour partager ensemble la parole. To share together the word. Amen. Amen. Et je remercie Frédéric. And I thank Father Eric. L'invitation. For the invitation. That he has given to me. Et il m'a mis très à l'aise. And then he made me feel comfortable. Amen. En fait, j'ai profité de venir ici. So I had this opportunity to come here. Parce que chez nous, en Suède, aujourd'hui, on ne pouvait pas avoir Rainer dans notre salle. Because to us, we couldn't have a meeting in our hall. Alors notre salle là a été réquisitionnée, utilisée comme un bureau de vote. Donc ce qui fait qu'on ne pouvait pas avoir notre réunion. That's why we couldn't have our meeting. Les enfants de carrière voulaient faire leur affaire. And children wanted to do their work, so we had to give them. On a trouvé un autre moyen. We found another way pour apporter la parole ici. To bring the words here. Je voulais prêcher en Suède depuis la maison pour que les frères suivent par la connexion. I wanted to preach in Sweden home so the brother can follow my connection. Ici, I thought maybe it's better for me to come here and preach in the church. Et là-bas, ils pourront se connecter. And here they will connect. Amen. Est-ce que vous aimez Dieu? Do you love the Lord? Il y a des gens qui disent que Dieu est fini. Il y a des gens qui disent que Dieu est fini. The people who say that God is finished. Bon, ça dépend de ce qu'ils appellent Dieu. It depends what they call God. Amen. Amen. Parce que nous, le Dieu que nous connaissons, because us, the God that we know, il est Elohim. He is Elohim. Amen. Il est éternel. He is eternal. Éternel. Eternal. N'a pas de commencement. Has no beginning. N'a pas de fin. Has no end. My. Yes, sir. Parce que le Dieu des Anglais, because the God of the English can finish. Parce que chez les Anglais, because in the English, le pupitre ici peut être Dieu. This pulpit can be God. La voiture peut être Dieu. The car can be God. La femme peut être une déesse. The wife can be God. Ça peut finir. All that can finish. Mais le Dieu dont les Hébreux parlaient, by the God that the Hebrew was talking about, c'était Elohim. Him, he was the Elohim. It means qu'il n'a ni commencement, that he has no beginning, ni fin, and no end. Amen. Amen. Alors ce matin, that's what, this morning, je ne sais pas comment je vais intituler ma prédication. I don't know how I will entitle my preaching. Je vais parler un peu de la rédemption. I want to speak a bit of the redemption. Et du livre de la rédemption. And the book of the redemption. Et la rédemption est une notion très très grande dans ce message. And the redemption is a very great teaching. Et souvent nous entendons le terme, le mot. Rédemption. And so in time we hear the term or the word redemption. C'est de là où nous disons je suis racheté. It's from there we can say that we are redeemed. Amen. Amen. Et maintenant, frère madame, avant que nous puissions entrer dans la prédication, parce que je sais que je commence à partir. Before getting the word, alors, after that you go, nous allons lire. We're going to read dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5. In Revelation 5. Je vous invite à vous lever. Invite you to stand. Nous allons lire dans la Bible, dans le livre de Apocalypse, chapitre 5, à partir du premier verset. Revelation chapter 5, on the first verse. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside, sealed with seven seals. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte : qui est digne d'ouvrir le livre
et d'en rompre les sceaux. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the book and to loose the seals thereof. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. And no man in heaven, nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereof. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. And I wept much because no one was found worthy to open the book, to open and to read the book, neither to look thereof. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. And one of the elders said unto me, weep not, behold, the lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book and to loose the seven seals thereof. Prions. Let's pray. Dieu notre Père, après avoir lu la parole, after reading the word, nous croyons que c'est ta parole. We believe it's your word. Et aucun homme n'a le droit d'en donner une interprétation particulière. And no one has the right to give it a particular interpretation. Pourquoi nous nous attendons à ce que le même ange, le même esprit qui était avec le prophète, puisse être aussi avec nous pour pouvoir nous donner le contexte de ce que nous allons lire. Tiens-moi là, mon Seigneur, afin que je ne puisse que répéter ce qu'a dit le messager. Parce que l'épouse n'est nourrie que la parole qui a été apportée par le messager. Car Rebecca n'a été vêtue, n'a été entretenue que par ce que Eliezer a apporté venant d'Isaac. C'est pourquoi, Seigneur, je vais simplement être écarté de la route, afin que ce que je dirai, Seigneur, cela puisse, ô Dieu, édifier l'épouse. Parce que l'épouse, elle est elle-même la parole. Merci, ô Dieu, pour tout. Nous nous attendons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci. Donc, nous allons parler de la rédemption. We want to speak of the redemption. Et avant d'y entrer, before getting into, je voulais te dire une chose. I want to say one thing. Que nous aimons venir à l'église. We love coming to church. Nous venons écouter la parole. To listen to the word. Nous nous réjouissons de la parole. We are happy. Mais je voulais commencer par vous dire, I wanted to start by saying this, que nous ne sommes pas des religieux. That we are not religious. Et nous ne faisons pas de la religion. And we don't do religion. Parce que la religion n'est pas de Dieu. Because religion is not from God. La religion, c'est seulement une couverture. Religion is only a covering. Les gens s'entourent pour pouvoir cacher. Parce qu'une couverture, on se couvre ou on se couvre pour pouvoir cacher ce qui est à l'intérieur. A cover is something you use to cover yourself et from something that is inside. Vous allez voir que dans le monde d'aujourd'hui, and you see in the world today, beaucoup de gens se cachent dans la religion. And many people are hiding themselves behind religion. Et il y a des gens qui ne sont pas sauvés dans leur cœur. And there are people who are not saved in their heart. Des gens qui ne sont pas délivrés dans leur âme. There are people who are not delivered from their soul. Mais ils ont une forme de la religion. But have a form of religion. C'est ce que Paul disait. It's what Paul used to say. Dans les derniers jours, in the last day, les gens auront l'apparence de la piété. People will have the appearance of godliness. Mais ils vont renier ce qui en fait la force. But will deny the power thereof. The power thereof. En d'autres termes, in other words, ce qui produit cette piété-là, what the one that produces that godliness, ils le renient, mais ils veulent avoir une certaine apparence. But they want to have a certain appearance. Deuxième chose. Second thing. Beaucoup de gens vont à l'église aujourd'hui. Many people go to church. Et ils prient. And they pray. Parce que because ils ne sont peur d'aller en enfer. They are afraid to go to hell. Parce que tout le monde, quand tu lui parles de l'enfer, everyone, when you speak of hell, décrit l'enfer, when they describe, c'est l'endroit où il y a des feux, it's where there's fire, qui brûle, it's burning, tout le monde a peur, everyone is scared. Ou bien si vous entendez que les bombes atomiques vont tomber, or if you heard that bomb atomic bomb will fall, toutes les nations ici, we destroy the whole nation. Alors le sentiment qui monte
So the feeling that comes in the heart, c'est de se demander, is to ask yourself, qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter ça? To avoid it, n'est-ce pas? Isn't it? Parce que quand on vous dit qu'il y a un danger, because when they tell you there is a danger, qui vient vers vous, coming toward you, la première question que vous allez vous demander, the first question you ask yourself, comment je peux faire pour éviter le danger? How can I do? What can I do to avoid the danger? La Russie va bombarder. And when they tell you the Russia will bomb. La question va se poser, maintenant comment on veut faire pour se protéger? Now the question will be, what can we do to protect ourselves? Alors, quand un sentiment comme ça monte à l'église, and when that feeling comes to the house, la première réaction, the first reaction, on va à l'église. You go to church. Et puis au bout, après un temps, and after a certain time, lorsque bon, on sait voit que l'homme n'y a rien, and when we see there's nothing, les gens retournent encore. People go. It's like there was an election in Utah. There was a very and people became serious. When after passing, people was going back to the normal life. Because they think going to church will protect them from the danger. Mais maintenant je vais vous dire, but now I want to tell nous you, ne sommes pas des religieux. We are not religious. Nous ne venons pas à l'église par peur de la we paix. Don't come to church for fear of hell. Parce que because c'est que vous craignez, the one that you fear, c'est qui va vous arriver. Is what's going to happen. Si vous avez peur de l'enfer, if you are afraid of hell, it will happen to you. Amen. Amen. Maintenant nous on n'a pas peur. Now us we are not afraid. Pourquoi on vient à l'église alors? Why do we come to church? Voilà. My we are not afraid of hell. Parce que, je me sens bien. I'm feeling well now. Aller à l'enfer ou ne pas aller, going to hell or not, ça dépend pas de vous. It don't depend on you. Ça dépend du fait que, it depends on the fact, est-ce que vous êtes une semence de Dieu ou pas? It depends if you are a seed of God or not. Ceux qui ne sont pas de la semence prédestinée, those are not the predestined seed, whether you like it or not, destination, your destination, c'est l'enfer. It's hell. Et puis aujourd'hui, and today, on ne parle même plus de aller ou ne pas aller. We don't even speak of going or not going. C'est être ou ne pas être. It's to be or not. En enfer. In hell. Il y en a qui ils sont dedans. There are those who are already in it. Et il y en a qui ne le sont pas. And there are those who are not. Tu veux bien? Listen. Donc là où on est là, where we are, ou bien, we are, vous y êtes. You, either you are, vous n'y êtes pas. Or you are not. Parce qu'on nous a longtemps prêché. Attention, si tu es prêcheur, tu prêcheur sur le terrain. Be careful if you see you go to hell. Pasteurs ont lié les brebis dans les chaînes de la peur. And the pastors have tied the Bible with people with the fears. Attention, moi je suis l'homme de Dieu. Attends, be careful, I'm the man of God. Tu vas aller en fer. If you talk, you go to hell. Amen. Never. Comment tu vas m'envoyer en fer? How can you send me to hell? Parce que je n'y suis pas. Because I'm not. Je veux d'abord enlever la peur de votre cœur. I want to remove the fear in your heart. Vous sentez que vous ne venez pas ici par la peur. I want you to feel that you don't come here by fear. Parce que vous n'êtes pas des candidats de l'enfer. Because you are not a candidate of hell. L'enfer c'est pour ceux qui ont rejeté la parole. Hell is for those who have rejected the word. Ceux qui ont rejeté Noé, those who rejected Noah, ont suivi l'enfer dans leur temps. They suffered after the hell of that time. They were under the flood. Ceux qui ont rejeté Moïse, those who rejected Moses, ont péri. But perish. Vous dites amen. You say amen. Et ceux qui rejettent le message, those who reject the message, périssent. They are also perish. Parce que Jésus a dit, because Jesus said, allez par tout le monde, go all over the world, prêchez la bonne nouvelle, and preach la création, the good news to the whole nation. Celui qui croira, the one that will believe, qui sera baptisé, and will be baptized, sera sauvé, will be saved. Jésus le disait dans le futur. Jesus was saying in the future. Allez, go, prêchez la bonne preach nouvelle, the good news. Celui qui croira, the one that will believe, sera baptisé, and will be baptized, sera sauvé, will be saved. Celui qui ne croira pas, the one that will not sera believe,
condamné. Will be condemned. Yeah. Amen. C'est-à-dire celui qui ne croit pas. The one that has been condemné. Is condemned. Voilà. Jésus a dit. Jesus said. Il a dit au futur celui qui ne croit pas. He said the future. He said the future. The one that has been condemned. Nous sommes arrivés au temps. Now we're in the time. L'évangile là que Jésus a dit allait prêcher. Of God. Gospel that Jesus taught, gospel that God is now preaching. We're not going to say the one that will not believe. We are saying the one who don't believe is condemned. And when you are condemned, what comes after? On va exécuter la sentence. C'est-à-dire que voilà, quand on condamne, when they condemn, qu'est-ce qu'on dit? What they say? Condamné pour 20 ans de prison. You are condemned for 20 years in prison. Maintenant, l'incrédule, but the unbelief, il est condamné. He's condemned. C'est pourquoi Frère Branham a prêché. That's what Frère Branham preached. Les âmes, the souls, ils sont maintenant, who are now en prison. In prison. Bah, pourquoi? Why? Parce qu'ils sont condamné. Because they are condemned. Parce qu'on ne peut pas emprisonner quelqu'un qui n'est pas condamné. You cannot put someone in prison. Alléluia. The person that is not condemned. Le prophète. The prophet. Est venu nous dire. Can't you tell? Il y a des âmes. They are souls. Qui sont déjà condamnés. Who are already condemned. Parce qu'ils n'ont pas cru. Because they did not believe. Comme ils n'ont pas cru. Because they didn't believe. Ils ont été jetés dans la prison. They were thrown into prison. Et une fois dans la prison, once in prison, it's very dangerous. Dans cette prison là, in that prison, la prison d'aujourd'hui, the prison of today, quand vous y entrez, when you enter, c'est fini. It's finished. Il n'y a plus de rédemption. There's no more redemption. Donc vous n'allez plus sortir. You will never come out. Parce que la prison du temps de Paul, because the prison in the time of Paul, la chance de sortir, there was time to come out. Parce que le mystère, because the mystery, n'était pas pleinement dévoilé. It wasn't revealed yet. Et Dieu avait pitié de peuple. And God was feeling sorry. À cause de l'ignorance, because of the ignorance, la prison du temps de Luther, the prison in the time of Luther, c'était pas encore la prison. It wasn't yet the prison. C'était la garde à vue. It was like a show. Lorsque quelqu'un revient à la police, when they take someone to the police, la police interroge, the police will question the person. They will question you. Que tu dois être coupable. The thing you will be en attendant le jugement, waiting for the judgment, on te garde à vue. They will keep you here. Là, c'est la police qui te garde. There is the police who is watching you. La garde à vue ne dure pas très longtemps. It doesn't last long when the police gets you. C'est pendant un temps. That, pendant ton état, that is d'instruire le dossier. So, while they are just proceeding your case by the police, then you are kept by the police jail. And after the case is solved and they decide that you must be judged, they send you to the judgment and to the prison. This is what I want to say. Donc, pendant que la police instruit le cas à la police, the police is gathering the information, on te garde. They will keep you there. C'est pourquoi on t'a délité. That's why the time of Luther, il y avait un jugement partiel, temporel. There were temporary judgments. En attendant, waiting for le jugement dernier, the last judgment. Et quand le jugement dernier, when the last judgment comes, les âmes, souls, qui avaient rejeté Luther, the souls that rejected Luther, qui avaient rejeté Wesley, rejected Wesley, ils sont où maintenant? Where are they now? Ah, ils sont in prison. Amen. Là, plus la garde à vue. There is not a police station anymore. Là, c'est la prison. There is prison. Parce que dans la garde à vue, because in a police station, on peut dire que non, bon, they can say what? Well, non, pour toi, tu sors. He can go back to prison. Alléluia. Amen. Mais gloire soit à Dieu. Glory to God. Parce qu'il y a des gens, because there are people, qui ne sont pas dans la prison, who are not in prison. Nous sommes ici. We are here. Dans une situation où, in a situation where, ou bien,
You know, vous êtes une semence prédestinée. A predestinated seed. Ou bien, or vous ne l'êtes pas. You are not. Donc, à un moment donné de votre vie, you know, sometime in your life, posez-vous la question. Ask yourself a question. Je suis où? Where am I? Et je suis qui? Who am I? Ne continuez pas à vivre comme ça là, comme un. Don't just live like that. Donc, tu vis la vie comme elle va. You live non, à un moment donné, arrête-toi. In a moment, a certain moment, you have to stop. Ask yourself, je suis qui? Who am I? Et je suis où? Well, who am et I? Pourquoi je suis là? And why am I here? Si vous pouvez répondre à ces trois questions, if you can answer those three, alors vous saurez comment vivre ça. And then you will know how to live. Et vous comprendrez. And you will understand. La raison de votre existence. The reason of your existence. Amen, amen. Il y a des fois où vous voyez déjà se comporter mal. You sometimes we see people behaving tout simplement. Just because. Parce qu'ils ne savent pas. Because they don't know. Pourquoi ils sont là. Why they are here. Yes, that's true. Amen. Alléluia. Amen. J'avance encore avec votre pensée. I will go forward with another thought. Vous savez, you know, c'est vraiment cette pensée-là, je la donne parce que that thought I'm giving it. Je voulais corriger quelque chose. I want to correct something. La Bible dit, the Bible says, Dieu nous a prédestinés avant la fondation du monde. God has predestined before the foundation of the world. Amen. Amen. Et le prophète dit, and the prophet said, que nous avons été en Dieu sous forme des attributs. We were in God in the form of attributes. C'est-à-dire que it means, avant que vous puissiez être ce que vous êtes, before being of what you are, dans la pensée de Dieu, in the mind of God, vous avez été là. You were there. Donc vous étiez une pensée de Dieu. You were in mind of God. Vous ne pouvez pas vous rappeler. You can't remember it yourself. Pour vous donner une idée. To give you an idea. Voilà ce que je veux dire. This is what I'm going to say. Avant de naître. Before vous étiez being born, where were you? Selon la science. According to the science. Selon la nature. According to nature. Vous étiez dans les reins de votre père. And you were in your father's womb. Yes. Or your father's bosom. Vous étiez dans votre père. You were in your father. Et votre père. And your father. Était dans votre grand-père. Was in your granddad. Et votre grand-père. And your granddad. Était dans votre arrière-grand-père. Was my at your vous granddad. Votre arrière-grand-père. Your great-great-grandfather. Était dans votre arrière-arrière-grand-père. Was in your great-grandfather. D'où venez-vous? So where are you from? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez qu'on recule, on recule, on recule. You see, we can go back. Jusqu'à Adam. Up to Adam. Amen. Mais aujourd'hui, vous êtes là. But today, you are there. Mais avant que vous soyez là, before you, vous étiez, you were, quand vous étiez dans votre père, when you were in your father, c'était impossible que vous puissiez dialoguer avec lui. It was impossible for you to talk with him. Quand vous êtes né, and when you are born, vous n'étiez même pas conscient que vous êtes né. You didn't know that you were born. Il a fallu un temps. It took quand a time. Plus vous grandissez, the more you were growing, vous grandissez, growing, alors vous prenez conscience. And then you start knowing existence. Of your existence. Amen. Mais ce n'est pas le jour but it's not a day où vous avez compris que vous existez, that you understood that you existed, que vous avez commencé à exister, that you started existing. Non, vous avez toujours existé. You always existed. Mais il fut un temps, but it took a où vous vous êtes rendu compte, where you just noticed, donc je suis, that I am. Alors quand vous étiez dans votre grand-père, when you were in your granddad, vous ne saviez pas. You didn't know that. Pourtant vous étiez là. But you were there. Est-ce que vous avez compris? Are you with me? Oh, la Bible dit. The Bible says. Dieu dit. God said. Je visiterai. I will visit. L'iniquité the iniquity of the father. Sur leurs enfants. To their children. Jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Up to the third and fourth generation. Ça veut dire que. It means. Aujourd'hui. Today. Il y a certaines maladies dont vous vous souvenez. The other sickness that you're suffering today. C'est la conséquence. Is the consequence. Des péchés que votre arrière-arrière. Of the sin of your great-great-granddad committed. Vous le subissez aujourd'hui. And you are suffering it today.
Est-ce que vous avez dit? Are you with me? Et en Israël, and Israel, Dieu avait dit à Moïse, God told Moses, un enfant adultère, a bastard child, or illegitimate child, n'avait pas le droit, had no right, d'entrer dans la congrégation des saints, to enter into the congregation of the saints, jusqu'à la dixième génération, up to the tenth generation. C'est-à-dire que it means, si vous mettez au monde un enfant hors des liens sacrés du mariage, if you give birth to a child outside of marriage, holy wedding, alors, then, cet enfant-là, ne pouvait pas entrer dans l'assemblée des saints. That child cannot go into the temple. Donc pas seulement lui, not only ses enfants, his children, les enfants de ses enfants, the children of his children, jusqu'à la dixième génération, up to the tenth generation, ils n'avaient pas le droit d'entrer. They had no right to come in. Yes. Bon, je vais vous choquer. Nah, I will shock you now. Shock you now. So they asked for a very good question. Brother Branham, an illegitimate child, can he be raptured? Amen. Parce que le prophète dit, the prophet said, en citant l'écriture, but giving that scripture, il dit, he says, il dit ceci, voilà, c'est montrez-moi là où Dieu a changé ça. He says, show me where God changed it. Il dit qu'un enfant illégitime, an illegitimate child, ne peut pas entrer dans la congrégation. Cannot enter into the congregation. The same in the temple. Le temple aujourd'hui, c'est le corps. The same today is the body of Christ. It's the body of Christ. Alors, non, ça va. Alors, cette question-là a tellement choqué les gens. That question really shocked people. À quel point les gens se demandent maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? After your people asking themselves, what can we do? Vous pouvez dire, you can say, moi, mon père et ma mère se sont bien mariés. Me, my dad and my father and mom, were married fine. Je suis bien. I'm born good. Fine. Et ton grand-père? Your grand-père. Si on rentre, c'est moi-même déjà la quatrième génération par toi. If you go back to the fourth generation before you, personne. No one. Amen. Surtout nous les Africains. Especially us Africans. Parce que nous ne connaissons même pas Dieu. We didn't know God. Donc nos parents se mariaient comme ça en désordre. Our parents were getting married like this. Donc en réalité, in reality, nous tous là, all of us here, illégitimes. Donc si on applique l'écriture là, if we apply the scripture, personne, no one. Amen. Mais gloire à Dieu. Glory to God. Frère Branham dit, Branham says, et nous avons tous été illégitimes en Adam. Amen. Amen. Yes, sir. Amen. Illegitimate children in Adam. Amen. Nous avons tous été illégitimes, nous avons tous été des enfants bâtards. We were all bastard children. Alléluia. Il dit, mais quand Christ est venu, when Christ came, le sang de Jésus Christ, the blood of Jesus Christ, a détruit la chose là. Destroy that thing. Maintenant, par Christ, then by Christ, nous sommes les fils de l'enfant de la femme, de la femme libre, je crois. We are the children of the free woman. Nous sommes nés de la nouvelle Jérusalem. We are born of the new Jerusalem. Amen. Gloire au Seigneur. Glory to God. Mais quand vous étiez, c'est pourquoi en Dieu aussi. That's why in God. Étant en Dieu. Being in God. Nous avions oublié, nous ne savions pas. We didn't know. Nous n'avions pas compte. We didn't notice. Mais aujourd'hui, but today, nous sommes manifestés. We are manifested. Et ayant été manifestés, and being manifested, notre attitude vis-à-vis du message de notre jour, our attitude toward the message of the hour, c'est la preuve, is a proof, de ce que nous sommes réellement, of who we are
Well, alors, je disais que j'allais corriger une chose. So I was saying I'm going to correct something. Nous étions en Dieu sous forme des attributs. We were in God in the form of actions. Sous forme de pensées. In the form of et nous étions des êtres éternels. We were eternal beings. Alors, sous forme d'attributs. In the form of attributes. Et des pensées. And thoughts. Nous ne sommes jamais tombés. We never fell. Voilà. En tant qu'attribut, as attribute, nous n'avons jamais péché. We never sinned. C'est-à-dire, means, on n'a jamais péché. We've never sinned. Et puis, on n'a jamais été sauvé un certain jour. We've never been saved a certain day. Nous avons toujours été sauvés. We have always been saved. Alléluia. Amen. En tant que des créatures éternelles, as eternal creatures, nous n'avons jamais commis de péché. We've never sinned. Alors, Frère Branham va dire, Branham says, dans les questions et réponses, in question and answer, je vais prendre une bonne citation ici. I will take the quotation. Question et réponse du 29 juillet 1953. Question and answer of 29 July 1953. Écoutez ce que le prophète dit. Listen to what the prophet said. Paragraph 72. 612. Now you got to get in God just exactly. Il dit, now here you get God in just you get God in just exactly. Maintenant vous introduisez Dieu ici exactement. And between the oneness and the Trinity, you will get the thing just exactly right now. Entre les unitaristes et les trinitaires, vous allez avoir la chose juste maintenant. Now look. When God dropped, unfolded himself, lorsque Dieu s'est dévoilé lui-même, unfolded himself down till he came down to this man, lorsqu'il s'est dévoilé jusqu'à descendre et devenir, et descendre dans cet homme, now, écoutez, maintenant, man seemed not in his spirit. Amen. Maintenant, l'homme n'a pas péché dans son esprit. But in his body. Mais dans son corps. Lust, péché, la convoitise et la passion. Then, when he has sinned, he separated himself from his maker. Et quand il a péché, il s'est séparé de son créateur. Amen. Frère Marie nous dit que l'homme man n'a pas péché not sin dans son esprit. In his spirit. C'est là où je vous dis que dans cette forme-là, in that form, esprit, spirit, nous n'avons jamais péché. We never sinned. Et nous ne pouvons jamais pécher. And we can never sin. Il dit que l'homme a péché dans son corps. He said that man sinned in his body. Lorsqu'il a été placé dans le corps, dans la chair. When he was placed in the body, in the flesh. C'est là où la convoitise et la passion l'ont amené dans le péché. That's where lust and passion led him to sin. Et c'est là où il s'est séparé d'avec son créateur. And that's where he separated from his creator. Alléluia. Amen. Il s'est séparé d'avec le créateur. He separated himself with the creator. Mais ce n'est pas son esprit qui a péché. The Bible says it's not his spirit that sin. Non, en tant qu'esprit. Man as a spirit. En tant qu'attribut. As an attribute, il ne peut jamais pécher. Can never sin. Amen. Mais lorsqu'il fut placé dans la chair, but when he was placed in the flesh, c'est là où il a péché. That's where he sinned. Pourquoi Dieu a-t-il permis qu'il pêche? Why did God allow him to sin? C'était pour que Dieu exprime les attributs ou les capacités qui sont en lui. It was so that God can express his action or his capacity that was in him. Donc si on parle du péché aujourd'hui, if we talk of sin today, en fait Dieu l'a autorisé, God allowed it,
pour permettre to allow que le péché entre, that sin can enter, et que lui, il puisse maintenant extérioriser tous les attributs, so that he can use all the attributes that was in him. En Dieu, in God, il devait être le rédempteur. In God, he was supposed to be the redeemer. C'est ça vraiment mon sujet. That massage. Il devait être rédempteur. He was supposed to be a redeemer. Mais pour qu'il soit rédempteur, for him to be a redeemer, il faut qu'il y ait quelque chose à racheter. There has to be something to redeem. Oh, s'il n'y a rien à racheter, if there's nothing to redeem, Dieu ne peut pas être rédempteur. God cannot be a redeemer. Mais pour qu'il y ait quelque chose à racheter, to have something to redeem, il faut qu'il y ait quelque chose. There has to be something that's lost. Mais pour que la perte puisse venir, the loss to be. Il faut que le péché vienne. Sin has to come. Et pour que le péché vienne, for sin to come, Dieu, God, a permis, allowed que la femme, that woman, soit tirée de l'homme, to be pulled out from the man, pas de la manière originale, not in original form. Maintenant, je vais arrêter là. Now I'm going. Que le Seigneur me pardonne. May the heaven forgive ce que je veux dire. What I'm going to say. Ce n'est pas pour diminuer les femmes. It's not to minimize the women. Not to belittle women. Mais, but je vais seulement présenter la vérité de la parole. I want to present the truth of the word. Selon ce que Dieu pense. As the way God thinks. Selon ce que Dieu a dit. And the way God said. Dans l'esprit. In the spirit, l'homme et la femme étaient un. Man and woman was one. Mais Dieu les a séparés dans la chair. God separated them in the flesh. Dans la chair. In the flesh. Pour fabriquer le corps de l'homme. To make the man body. Dieu a pris la poussière de la terre. God took the dust of the earth. Il a fait le corps d'Adam. He made the body of Adam. Quand il voulait faire le corps du lion, when he wanted to be the lion body, il a pris la poussière de la terre, he took the dust of the earth, il a fait le corps du lion, and made the body of the lion. Pour faire le corps de la lion, for the lion, la femme du lion, the wife of the lion. Dieu a pris aussi la poussière de la terre, he took the dust of the earth, il a fait la femme du lion, he made the woman of the lion. Pour faire le chien, to do the dog, Dieu prend la poussière, God took the dust, il fait le chien, to make the dog. Pour faire la chienne, to make the sheepdog, the sheepdog, il a pris aussi la poussière, he took the dust, il a fait la chienne, and he made the sheepdog. Alors vous allez observer, you will observe, vous allez constater, you will notice, dans la nature, in the nature, chez les animaux, to the animals, l'animal qui est mâle, the male animal, est plus beau, is more que l'animal femelle, than the female. Mais c'est Dieu qui a fait ça. It's God who did that. Et Dieu a pris la poussière séparée, and he took the separate, pour faire le mâle et la femelle, to make the male and the female. Et en faisant ça, by doing this, il a fait que le mâle soit plus beau que la femelle. He made that the male beautiful than the female. Une observation. Just observe. Go to the mansion, observe. Regardez le coq. Look at the poule. Regardez le lion. Look at the lion. Avec la crinière avec beaucoup de poils sur la tête. Et regardez la lion. And look at the lion. Mais chez les humains. But human. Dieu fait la différence. God different. One. Dieu n'a pas pris la poussière. God did not take the dust pour faire la femme. To make the woman. Yes. Dieu n'a pas ramassé la poussière. God didn't take the dust pour faire la femme. To make the woman. Dieu a endormi l'homme. God made the man to sleep. Qui était déjà créé? Who was already created? D'une création qui existait déjà. Of the existing creation. Dieu va tirer. God goes to pull. Et le corps pour fabriquer un autre produit. To make another product. Alors on appelle ça, and we call un sous-produit. A by-product. Ou bien en d'autre terme, un produit dérivé. A by-product. Alors voyez, quand un produit est dérivé, when
a product is a byproduct, il n'est plus original. It's no more original. Alors il a déjà une certaine faiblesse. And he has already a certain weakness. Alors la femme, so the woman, avait été déjà faite avec une certaine faiblesse. Was already made with a certain weakness. Amen. Amen. C'est là où that's le serpent, the serpent, lorsqu'il a voulu séduire, when he wanted to seduce, il n'est pas allé chez l'homme, he didn't go to the man, Adam, Adam, parce que Adam, because Adam, il était la parole, he was the word, et on ne peut pas séduire la parole, and he cannot seduce the word. Le serpent a cherché le maillon faible, the serpent looked for this wicked, the wicked. Il a cherché le maillon faible, wickedly, qui était la femme, who was the woman, et il est allé vers la femme, and went to the woman, avec le raisonnement, with thinking, parce que Dieu avait déjà dit, because God already said, mais lui vient encore poser la question, and you come to ask questions, Dieu a réellement dit, God really said, donc parce que le serpent, because the serpent was a philosopher, il a amené le raisonnement, he brought the, il a commencé à faire le réflexe, and made the woman start thinking. Reasoning. Vous savez que on dit que pour séduire la femme, they say to seduce a woman, c'est pas par l'habillement, it's not by dressing. Dressing good, you cannot seduce a woman. La femme est séduite, the woman is seduced by the words. That's how she's made. C'est bon, vous voyez une femme. That's why it's a woman. You can have a husband. Un homme très élégant. You see a nice man. Elle laisse poursuivre un mari. He's following a happy man. Someone there. Parce que le vilain là, il sait parler. Because that argument can talk. Amen. Est-ce que vous comprenez? Are you with me? Alors, Frère dit, but vous allez me poser la question. You ask me a question. Pourquoi alors Dieu a-t-il fait ça comme ça? Why did God do it like that? Il dit, he says, Paul dit, Paul said, c'est selon le bon plaisir de sa volonté. It's for his, the pleasure of his will. Et les femmes, and the women, doivent rester dans la position que Dieu les a placée. They have to stay in the position that God has placed them. Quitte cette position. When she leaves that position, faire un désordre. There's a disaster. Bon, là n'est pas le sujet, mais there is not a subject. But we have to pass through that. Arrêtez là où je veux dire. To get where I want. Maintenant, étant séparé, so to be separated in the flesh, avec l'homme, with man, c'est ce qui a mené la chute. That's what brought the fall. Amen. Amen. Maintenant, la rédemption, so the redemption, suivez bien, listen, ne nous ramène pas, does not take us, dans les attributs, in the attributes, parce que dans les attributs, in the attributes, nous ne sommes jamais tombés, we never fall. Donc on ne parle pas de la rédemption, we don't speak of redemption, par rapport au retour aux attributs, by the returning of the attributes, mm-hmm, parce qu'on n'est jamais tombé, because we never fall. Non, on va vous l'acheter pour vous remettre les attributs. We going to redeem you to take back the attributes. Je n'ai pas besoin. I don't need that. Je n'ai pas besoin de la rédemption. I don't need redemption. Parce qu'en tant qu'attribut, je ne suis jamais tombé. I've never fell. Voilà. My. Amen. C'est là où Abraham disait. That's what Abraham said. En réalité, in reality, quand Dieu a sauvé quelqu'un, when God saved someone, il ne peut pas le perdre. He cannot lose. Voilà. C'est ça. Dieu ne peut pas vous sauver aujourd'hui s'il le sait. God cannot save you today. God cannot save you today if you know he will lose you tomorrow. Et vous ne pouvez pas être sauvé. You cannot be saved. Si vous n'étiez pas un attribut en lui avant. If you were not an attribute in him before the foundation of the world. Alléluia. Vous comprenez, c'est ce que Paul. You understand that's what Paul. Essayez de faire comprendre aux Éphésiens. Was making Ephesians to understand. Afin qu'ils puissent être assuré, for them to be assured, qu'ils ne sont sauvés pour toujours, that they are saved forever. Alors David dit, David said, Seigneur, God, rends-moi la joie de mon salut. Give me the joy, restore the joy of my salvation. Restore à moi la joie de mon salut. Restore in me the joy of salvation. Maman, vous voyez, maman, c'est ici. David n'a pas dit,
God, David said, restaure à moi mon salut. Restore in me the salvation. Il dit, restaure la joie du salut. He said, restore the joy of salvation. Il ne pouvait pas perdre le salut. Because he cannot lose the salvation. Mais quand il a commis le péché, when he committed sin, il a perdu la joie de son salut. The joy of his salvation. Mais le salut, il ne peut jamais le perdre. But salvation, he can never lose. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Donc la rédemption, so redemption, ne concerne pas les attributs. Doesn't concern the attributes. Ça doit entraîner. It must stop. Il faut bien. La rédemption, the redemption, n'a rien à voir avec les attributs. Nothing to do with the attributes. Parce que nous n'allons pas nous retourner dans la forme attribut. We will not return in the attribute form. No. Dans la prédication, in the preaching, Christ est le mystère de Dieu révélé. Christ is the mystery of God revealed. Paragraphe 153. Paragraph 154. Je donne à quel heure? What time? Go ahead. Ok. Paragraphe 153, le passage Christ est le mystère de Dieu révélé. 154, Christ is the mystery of God revealed. Paragraphe 156. 156. Et troisièmement, tout le monde, je vais prendre un peu depuis le sens 4 pour avoir la pensée bien. 153, tu as. Let me take. Ok. 154. First, to express himself completely, God in Christ. Premièrement, s'exprimer totalement lui-même, Dieu en Christ. Second, to have the preeminence by this. Deuxièmement, avoir la prééminence par ceci, in his church, dans son église, which is his body, qui est son corps, the bride, l'épouse, till he could have the preeminence to express himself through them, jusqu'à ce qu'il aura la prééminence de s'exprimer lui-même au travers d'eux. All right, très bien. And thirdly, et troisièmement, to restore the kingdom to its rightly position. Amen. Troisièmement, de restaurer le royaume dans sa position correcte. That fell by sin by the first Adam. Qui est tombé par le péché, par le premier Adam. Back to where he walked in the cool of the evening. Amen. En le ramenant là où il marchait dans la fraîcheur du soir, with his people, amen, avec ses gens, talk with them, parle avec eux, fellowship with them. Amen. Et en communion avec eux. Amen. Donc, le troisième dessein. The third purpose. Aujourd'hui, nous croyons que nous sommes dans le troisième dessin. Today we believe we are in the third purpose. Mais dans le troisième dessin, the third purpose, ce n'est pas de nous ramener sous forme des attributs. It's not to take us back in the form of attributes. Le troisième dessin, the third purpose, c'est de rétablir le royaume. It's to restore the kingdom. Je vais vous lire une citation. I want to read a quote. C'est quoi le royaume? What is the kingdom? Yes, sir. Amen. Yes. Oui, je prends d'abord la citation, c'est quoi le royaume, et puis je vais revenir à cette citation. Let me take the code. Paragraphe 529 de la même prédication. 529, same preaching. Same sermon. 529. 529. Voilà. Then, our headship is a kingdom. Maintenant, notre tête, c'est un royaume. The kingdom of God is within you. Le royaume de Dieu est en vous. Amen. Say the Bible, dit la Bible, Jesus, Jésus, the kingdom, le royaume. We are not a denomination. Nous ne sommes pas une dénomination. We belong to a kingdom. Nous appartenons à un royaume. Amen. And the kingdom
is the word of God made spirit and life in our own yes. life. Amen. Yeah. Amen. Amen. Okay, le royaume. Oh, the kingdom, the kingdom, the kingdom. Mais c'est pas le royaume. What is the kingdom? C'est pas les boire. It's not going to drink. Non, non. Hein? Le royaume de Dieu ne consiste pas à les manger et les boire. See, the kingdom of God is not about drinking and eating. Qui vit une vie sale? Someone living in this life. Je suis dans le royaume. Brother, I'm in the kingdom. Jamais, longtemps. Jamais. Never. C'est quoi le royaume? What is the kingdom? Je vais lire ça encore. Let me read it again. Ça y va. Je vais prendre la moyenne pour dire ça. Listen, mon mari. Oui, bien sûr. Listen. We belong to a kingdom. Nous appartenons à un royaume. And the kingdom, et le royaume, is the word of God. Made spirit and life in our own life, bringing to pass every promise in this day. Yeah. Hallelujah. Yeah. Donc le royaume, so the kingdom, c'est la parole de Dieu, is the word of God, qui est rendu esprit, which is made spirit and life, dans notre propre vie, in our own life, manifestant ou amenant à l'accomplissement, manifesting. Chaque promesse, every promise, dans ces jours, in this day, comme il l'a fait dans le jour où la parole et Dieu étaient un. Amen. Voilà. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand Dieu et l'homme deviennent un, when man and God become one, voilà le royaume. That's the kingdom. Alors c'est quoi? C'est la parole qui est rendue esprit, it became spirit, et vie, and life, dans notre propre vie, in our own life. C'est-à-dire que nous devenons maintenant des citoyens du royaume. We become the citizen of the kingdom, vivant sur la terre, living on earth, et par notre vie, and by our lives, nous exprimons, we express, le comportement, the behavior, et les gens de notre royaume, of our kingdom. Alléluia. Un Anglais s'il va à Kinshasa, English, when go to ça sera difficile de manger le foufou. It will be difficult for him to eat foufou. Parce que ce n'est pas le comportement de son royaume. Because it's not the behavior of his. Vous dites amen. Quand vous allez quelque part, when you go somewhere, vous devenez ambassadeur. You become the ambassador. Par votre comportement. By your behavior. Si les gens veulent savoir, if people want to know, comment est-ce que dans votre royaume les gens vivent, how do people live in your kingdom, they will look the way you live. Alleluia. Et nous, nous sommes des citoyens. And we are the citizens of that kingdom. Yes, sir. Alleluia. Amen. Les citoyens d'une nouvelle civilisation. Yes. Citizens of a new civilization. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et dans notre royaume, in our kingdom, nous avons un comportement. We have a behavior. Nous avons une conduite. We have a conduct. We have a behaviors qui ne ressemble pas, that is not look like, au comportement de ce royaume du diable, of this kingdom. Parce que maintenant nous sommes dans un combat de royaume. We are in the fight of kingdoms. Il y a deux royaumes qui se battent. There are two kingdoms. Yes, sir. Il y a deux royaumes qui se battent. Le diable, the devil, avec son royaume, with his kingdom, avec ses trois cavaliers qui se sont unis, parce qu'ils chevauchent, because they are riding, les chevaux de plusieurs couleurs, the horse of so many colors. Il avait en lui les chevaux, il chevauchait les chevaux. He was riding the white horse. La religion. Religion. Il chevauchait le cheval. He was riding le cheval the pair rouge. Red color. Le cheval rouge qui est le pouvoir politique. Red one, which is the political power. Le pouvoir démoniaque. Riding a demonic power. C'est trois chevaux. Parfois, c'est three. C'est trois couleurs. These three colors se sont mélangés. Are mixed. Dans une seule couleur. In one color. Une couleur pâle. Pâle.
And we say, hey, come. Amen. Il dit, mais lorsque Christ, he said, when Christ, notre Seigneur viendra, God, our Lord, shall come, il va chevaucher, he will ride, un cheval blanc, a white horse. Apocalypse 19. Revelation 19. Christ, lui n'a pas de mélange, has no mixed. Et cheval, and horse, veut dire puissance, mean power. Il chevauchera un cheval blanc. He shall ride a white horse. Ça sera la parole. It will be the word incarné, incarnated dans un homme. In a man. Amen. Et quand Christ chevauche ce cheval blanc, and when Christ riding that white horse, l'armée, the Bible says the army of heaven, amen, was behind him. Et Jésus, and Jesus, sur son cheval, in his horse, il avait dans sa bouche, he had in his mouth a sword. Oh. Imagine you are walking and you see a man with a sword. Ça, c'est un symbole. That's a symbol. Amen. Les gens attendent. Yes, on peut y aller. People are watching. Jesus is going to go down on top of a horse. Non. Non. C'est un symbole. It's a symbol. Christ. Christ. Où? Celui qui chevauche ce cheval. The one who's riding that horse. In Revelation 19. Il est appelé le roi des rois. He's called the King of Kings. Et le Seigneur des Seigneurs. And the Lord of Lords. Si le roi, if the king, ça veut dire qu'il a un royaume. That means he has a kingdom. Et s'il a un royaume, and if he has a kingdom, il n'y a pas de royaume sans sujet. There is no kingdom without subject. Il n'y a pas de royaume sans sujet. There cannot be a kingdom maintenant, without subjects. Christ chevauche. Christ riding. Ses sujets. So his subjects. Derrière lui. Behind him. Chacun aussi. All of them. Son cheval. On his horse. Amen. Vous dites amen. 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 Avec une épée dans sa bouche. With a sword on his hand. La bouche de Dieu. The mouth of God. It's always a prophet. Et l'épée, and the sword, c'est la parole. Is the word. Amen. Donc Apocalypse chapitre 19, Revelation chapter 19, est accompli. Is accomplished. C'est-à-dire, it means la parole, the word, incarné, incarnated, dans un homme, in a man. Yes. Amen. Ça confirme ce que nous venons de dire là. It confirms what? Le royaume, just c'est quoi? What's the kingdom? Le royaume, the kingdom, c'est la parole rendue esprit. It's the word made spirit and life. Dans notre propre vie. In our own life. Accomplissant chaque promesse. En fulfilling the promise. De ces jours. Of this day. Or, quelles sont les promesses de ces jours? What's the promise of this day? Malachi 4. Luke 17. Apocalypse 10. Apocalypse 10. These are the promises of this day. Christ, Christ, riding the horse. Donc, bien battu aux autres, c'est la Yeshua Roya. The new people are working for Jesus. C'est la Yeshua. It's already done. Continuez. Amen. Vous allez susciter. But don't wait. Pour vous gagner, si vous replacez à ça. Now move away, please. Parce que frère, but when he says, that's the goal of him. His second coming. C'est un mystère. It's a mystery. Hallelujah. Amen. C'est un mystère. It's a mystery. Christ. Christ. Revealed la seconde fois. Comes the second time. Sous la forme. In the form of his bride. C'est pourquoi. That's why. Vous savez. You know. L'épouse. The bride. Représente. Represent. Ou est représente. Or she will present. Par la lune. By the. La lune. The moon. The moon. Alors, la lune, the moon, c'est elle qui contrôle la marée. It's the one who controls the waters. Yeah. Ça veut dire que quand la lune s'éloigne, when the moon goes away, la marée monte. The water rises. Vous pouvez avoir des tsunamis. You can have tsunamis. Parce que la lune s'éloigne. Because the moon has gone. C'est la lune qui dit.
à la marée. He said, stop là. He said, the moon will tell the water to stop there. La terre est une île, non? You know, England is a hill. Pourquoi l'eau n'envahit pas la terre? Why is it that the water does not come on the earth? C'est à cause de la nuit. It's because of the moon. It's the moon who stands the water. Stay there, don't move. Lorsque vous enlevez la nuit. But once you take away the moon, we go back to the chaos of the beginning. You will notice the preacher attributes of this. Ils ont enlevé carrément les bouches. They took away the bride. Alors regardez la catastrophe. Look at the chaos. Regardez la catastrophe. Tsunami d'alerte. Tsunami in their life. Why? Parce qu'on a enlevé la nuit. Because we took away the moon. The moon controls. And today, the clouds, the sun, and the moon is in the sun. They say, No, il faut vraiment me dire. Balance. Il y a trois choses. There are three things que vous ne devez pas faire. That you cannot do. Vous ne devez pas mal interpréter. You should never. Vous ne devez pas misplace the word. La parole. You should not misplace the word. Et vous ne devez pas disloquer et découper la parole. Or dislocate the word. Paul a dit à Timothée. Paul said to Timothy. Divise droite, partage droite la parole. Share the word properly. Sinon, vous allez amener une vache en train de goûter leur rêve au-dessus de la rue. Otherwise, you bring a cow on top of the tree. Go back to the tree. Amen. Amen. Jésus a dit à ses disciples, Jesus told his disciples, si votre sainteté, if your holiness ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas. If your holiness does not bypass the Pharisees, you shall not enter. How come someone is Pentecostal? He needs to respect. What is the principles? Il dit qu'il est attribué. Now he says it's attribute. Il commence à faire du poto-poto. Ça c'est quel attribut? What kind of attribute? Un faux attribut. Dans sa présence. In his presence. Tout est saint. Lorsque when Aaron partait dans le lieu très saint. Goes in the holy of holies. Au bord de sa robe. The rim of his garment, il y avait des grenades, there was pomegranates, et les cloches, qui se cognaient. Which they were hitting each other. Et quand ils se cognaient, ils criaient Saint. Et la loi, and the law, le règlement de Moïse disait, the Moses law, le sacrificateur, the high priest, ne doit pas être infirme. Cannot be a disciple. Savez pourquoi? You know why? Parce que because quand les sacrificateurs marchent, when the holy the high priest walks, il faut que les grenades collent les clochettes. Those two clochettes. Pour être saint. So that they can be a holy. Si le sacrificateur est boité, if the holy the high priest is disabled. When he saw it works like this, the clochettes vont rater. It will miss the lot. Et on n'aura pas le son de la sainteté. We will have had the sound of holiness. Amen. 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 Or, il a fait de nous. He made of us. Des rois. Kings. Pas seulement des rois. Not only kings. Mais aussi des sacrificateurs. Holy. And high priest. Maintenant, nous. Souffrant le sacrifice et le fruit de l'honneur. Now we are offering sacrifice. That's why we speak la parole. We speak of the word. We speak of the kingdom. Quand tu commences à critiquer un frère, when you say that's not the word, le fruit. That's not the good fruit. That's not the good fruit. That's not the good fruit. That's the bad fruit. Hallelujah. Amen. My
Amen. Que voyons-nous dit? Baba nam se. Yes. Nous ne prenons encore une autre citation. Let me take another quote here. Amen. Dans fondement fondamental. Fundamental foundation for faith. Fondement fondamental pour la foi. Est-ce que vous êtes content? Vous avez la parole? Non, non. On peut continuer? On peut continuer. Paragraphe 9. Paragraphe 9. Man was made a secondary God on earth. Yes. Say amen. Amen. L'homme a été fait un Dieu secondaire sur terre. Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous savez que les choses que nous prêchons ici, non, the things that we preach, c'est pour vous. It's for you. Si vous le croyez, if you believe it, ça devient votre. It becomes yours. Si vous refusez aussi, if you refuse, vous n'aurez rien. You have nothing. Si j'ai l'argent, si j'ai téléphérique, if I have an asset, je vais te donner 100 000 livres. I will give you 1,000. Mais si tu refuses, if you refuse, you won't get it. Si tu dis que non, if you say, tu le reçois. You give, you get it. Est-ce que vous comprenez? Reçois. Amen. Aucun moral ne tient compte de 100 000 livres. Man was made as a secondary God on earth. L'homme a été fait comme un Dieu secondaire sur la terre. Amen. Listen. He was given the power. Amen. To control all things. Yes, sir. Il lui a été donné le pouvoir. He was given power. De diriger, parce que contrôle ici en anglais, on dit diriger. To control. Diriger tout. To control all. Si je vous dis tel que vous êtes là, if I told you that you are, vous avez ce pouvoir là en vous. You have that power in you. On va le mettre à l'aise. Vous voyez, vous avez toujours l'habitude de vous diminuer. You always have the habit of Dieu humble. Vous élève. Before God raise you up. Suivez. Listen. All elements of the earth that was a all elements of the earth, donc l'homme devait contrôler tous les éléments de la terre. Comme on dit, that was Adam. Adam was given these great powers. But then, that power that he was given to make himself is where he fell. Amen, amen, amen. Ce pouvoir. That power qui lui a été donné, that was given unto him. C'est par là qu'il est tombé. That's where he fell. And Adam could speak to the winds, and it would stop. Yeah. Adam pouvait parler au vent et le vent s'arrêtait. Yeah. He could speak to the trees, and they would obey him. Il pouvait appeler aux arbres. Et les arbres l'obéissent. He could speak to the wildlife. Il pouvait parler aux animaux sauvages. Amen. It would obey. He could speak to the waters. Il pouvait parler aux eaux. And what it was, and n'importe quoi. Everything obeyed Adam. Now, that is the beginning of man. Amen. Voilà le commencement de l'homme. That's what God gave him power over everything on earth. Now, though the fall, he lost that power. Then he becomes unconscious of the facts. Vous voyez? C'est-à-dire que Adam
Il a perdu le pouvoir. Il est devenu inconscient. Il a perdu his conscience. C'est ce qu'on appelle en français l'amnésie. L'amnésie. L'amnésie, c'est donc tu oublies ton identité. You forgot your identity. Donc une femme amnésique tellement oublié son identité. She forgot her identity. Elle commence à porter les pantalons comme un homme. A child like a man. C'est de l'amnésie. It's an amnesia. Parce que vous allez voir qu'une femme en pantalon. You see, a woman in trouble. Elle perd quelque chose de féminin. She lost something a feminine. Bon, on va dire bon, c'est les apparences. You say that it's a prince. God looks in the heart. That's the outside. Ce que mon imam n'a moko et poli l'imam n'a c'est que if you see a mango which is rotten from outside, that means it started inside. On dit que nous sommes les citoyens du royaume.